la Tour d'Auvergne. Oui. Donc, on a fait appel à du renfort là pour le dégagement. Oui, une entreprise privée pour déneiger un peu les chemins communaux. On était un peu débordés, alors. Puis là, on a pris les gros moyens. Ouais. Et là, ça avance bien. Vous avez combien de hameaux à faire? Là, on est en train de monter. Finir de monter à sauter. Bon, on a fait les plus gros là. Hein. On a attaqué par le haut de la commune, le col de la Fère, Ferrérol, la Roche, Longchaux, la Fage. Et maintenant on est là un peu plus haut que la Fage et là il y a de la neige. Alors bonjour. Francis. Bon Francis et Loïc. J'étais un berger, on est basé en Holby nous et on a été appelé par la commune pour dégager les routes. On est arrivé ce matin et là pour l'instant on va dégager toutes les maisons. Tous les hameaux. Et ben là on fraise du coup, comme ça on a plus le problème avec la neige. Ouais. De toute façon, là, c'est pratiquement obligatoire. Là, c'est obligatoire, le chasse-neige, je ne peux plus passer, là. Il y a trop d'épaisseur. Bon, c'est l'hiver qui revient. C'est bien de le rappeler aussi, c'est l'hiver. Et puis, de rappeler que quand on vient ici, il faut s'attendre à ce genre de situation. Voilà. Et il faut prendre son mal en patience. Tout à fait. On dit que la neige vous mettait tout le monde d'accord. Ça, vous avancez à peu près à combien? On avance à 2 km/h. Un tracteur qui soit puissant, là. Il y a 200 chevaux. Là. Et devant, donc, c'est une fresque. Elle fait 2,60 m de large et elle projette la neige à 40 mètres. Ah. Merci. Eh ben, merci. Bonne continuation. Antoine, alors, conseiller municipal. Donc on n'oublie pas de remercier. Les trois ouvriers municipaux, on peut dire aussi que pas mal d'agriculteurs ont joué le jeu. Ton rôle, toi, c'est de suivre, d'être présent pour guider. Ouais, je guidais, je montrais les chemins. Il y a des endroits, il y a des murs en pierre. Et faut pas qu'ils les prennent avec la machine. Autrement, ouais. On est en panne. Ouais, Francis, ouais, donc il doit être très vigilant pour éviter l'incident. Voilà pourquoi la commune met les piquets en bois pour bien délimiter le chemin. Pour la retraite là. Ah, y a pas mieux non. Francis, pardon. L'entreprise, vous êtes combien? Il y a 3 salariés. D'accord, et vous avez combien de véhicules enfin d'engins? On a 3 engins de bon courage. Dans une région où il y a de la neige, ces quelques photos ont été prises dans l'hiver 2005 pour faire prendre conscience au service départemental que les véhicules 4x4 étaient indispensables dans notre région. Bonjour. Bonjour. Donc là, c'est des conditions quand même un peu exceptionnelles. Elles ne sont pas évidentes, ouais. Honnêtement, elles ne sont pas évidentes, donc on essaye de faire le maximum aujourd'hui. C'est la première fois qu'on sort depuis 3 jours. Et on essaye de passer partout, mais c'est compliqué. On fait au mieux. Voilà, mais bon, là ça dégage quand même bien, ils font le nécessaire. Ils font le nécessaire. Un peu partout dans toutes les communes. Toutes les communes se font le nécessaire, ils sont au top, ils font leur mieux et pour nous c'est agréable. Voilà, et la poste est aussi à fond. Elle fait ce qu'elle peut aussi. Merci. Voilà, on est tous dans le même bateau. Merci. Mais si vous tapez Auvergne et des trucs comme ça, vous aurez la vidéo. Merci, hein. Bonnes vacances. Hein. Tous les conseillers sont sur le pont là depuis 2-3 jours. T'as vu, la neige est arrivée. Ah là c'est bien. Ça fait du bien, mais bon, faut du beau temps. Ouais, mais ça, on peut, on fera pas tout, Guy. On fera pas tout. Prêt à faire feu. Prêt à faire feu. Ouais. Mais ça fait, il n'y a pas qu'aujourd'hui, ça fait un moment que vous êtes. J'ai une question. Cette année, je sais pas si c'est moi qui use l'appel ou si c'est l'appel qui va m'user. Alors là, c'est la folie. Sinon, on mettra la grosse. Mais on va faire nécessaire. Là, la boulangerie se mobilise et là, quand il faut servir, même quand c'est fermé, c'est normal. On part en livraison, les clients ne peuvent pas venir, alors on part en livraison. Bon. On livre tout. On restaure même les agents. Bonjour. Ils sont où là, les chasse-neige?
Bah, en train de manger les croissants. Non, je veux dire les chasse-neige qui bossent, quoi. Ben là, on est tous à l'arrêt. Bon, Samuel, oui. Toi, c'est sur Tauve en grosse partie, là. Déneigement sur la commune de Tauve uniquement, et quelques prestations chez les particuliers. D'accord, et là, ça c'est le petit calme depuis 4 ou 5 jours, là. Quelques instants, le temps de manger à midi. Super. Bon, il y a encore du boulot ? Il y a encore du boulot. Il y a tous les bourgs à déneiger, il y a encore du travail. Bon courage. Merci. C'est vraiment la partie de neige. Hein. L'épisode de neige n'est pas terminé.